Eh bien, bonjour, bonjour à toutes et bonjour à tous, à ceux qui nous écoutent de loin, et bonjour à Luc Brisson et à Arnaud Massé, qui sont également loin, en tout cas, nous ne sommes pas dans la même pièce, mais nous allons dialoguer autour de la nouvelle édition des œuvres complètes de Platon que les éditions Flammarion publie cette année 2020 sous la direction de Luc Brisson, et je remercie Arnaud Massé de dialoguer avec Luc Brisson à propos de cette nouvelle édition, à propos de Platon et à propos de ses œuvres et j'allais dire de leur actualité. Alors, je vais d'abord vous présenter l'un et l'autre et je vous poserai des questions qui vont scander le dialogue que vous aurez entre vous. Et nous allons commencer. Alors, je commence par les présentations. Arnaud Massé, vous êtes ancien élève de l'École normale supérieure, vous êtes agrégé de philosophie, professeur des universités, vous enseignez à l'Université de Franche-Comté et vous dirigez le laboratoire Logique de l'Agir. Je précise que vous avez réaliser votre thèse de doctorat sous la direction de Luc Brisson sur le sujet l'agir et le pâtir chez Platon, publié ensuite sous le titre « Le savoir public, la vocation politique du savoir en Grèce ancienne » aux éditions des presses universitaires de Franche-Comté. Et vous avez soutenu votre habilitation à diriger des recherches sous le titre « L'invention de la nature en Grèce ancienne ». Luc Brisson, je vous présente également, même si beaucoup de nos auditeurs ont eu l'occasion pendant leurs études de philosophie, y compris en classe de terminale, de lire des traductions de Platon que vous avez réalisées. Vous êtes directeur de recherche au CNRS, après une formation à l'École pratique des hautes études auprès de Pierre Vidal-Naquet. Vous avez réalisé votre doctorat sous la direction de Clémence Ramenoux. On en reparlera au cours de cet entretien et je renvoie aux œuvres de Clémence Ramenoux publiées aux éditions des Belles Lettres et qui font l'objet d'un entretien qui sera publié très prochainement sur le site de Cité Philo. Vous avez rédigé votre thèse sous l'autorité de Jean Pépin sur le sujet « Mythe et philosophie chez Platon ». Votre parcours universitaire vous emmène du Québec en France, mais il passe partout par Platon, par Plotin aussi, mais par Platon, donc vous avez traduit la quasi-totalité des dialogues et dont vous avez largement renouvelé la compréhension et, je dirais, démocratisé l'accès à son œuvre. Alors, je vais vous poser à l'un et à l'autre des questions sur cette nouvelle édition des œuvres complètes de Platon, publiée, comme je l'ai dit tout à l'heure, par les éditions Flammarion. Ma première question, elle porte sur une phrase, une de vos phrases dans l'introduction de cette nouvelle édition. Vous dites que votre objectif, Luc Brisson, est de proposer un Platon pour notre temps. Alors, on peut se demander ce que vous voulez dire par là. Est-ce que ça veut dire que Platon est ou n'est pas un philosophe intemporel? Est-ce que c'est parce que, et je vous cite de nouveau, il a donné son sens au terme de philosophie, est-ce que Platon, c'est le premier philosophe? Je vous donne la parole et Arnaud, vous rebondirez, si j'ose dire, quand vous le souhaiterez. Oui, Platon, pour notre temps, signifie non pas que Platon est un philosophe contemporain, ce que je voulais dire par là, c'est la chose suivante. C'est-à-dire que on trouve chez Platon posé la plupart des questions fondamentales concernant l'éthique, la politique et la cosmologie. Les réponses qu'apporte Platon sont évidemment complètement dépassées, mais les questions sont là et restent magnifiquement posées, notamment par l'intermédiaire de Socrate, qui est l'interlocuteur principal de la plupart des dialogues.
Donc, c'est en ce sens que je voulais faire un Platon pour notre temps. Et j'ai voulu vraiment insister sur l'intérêt et la beauté des questions qui sont posées par Platon. Et donc, même si Platon est un philosophe de l'Antiquité, plus de deux millénaires avant nous, encore une fois, je le répète, les questions qu'il pose sont des questions toujours d'actualité. Et je voudrais rebondir sur le terme philosophie. C'est très difficile de dire que Platon est le premier philosophe puisqu'il y a eu des penseurs avant Platon et que Platon n'a pas innové au sens où on l'entend actuellement, mais Platon a retravaillé une tradition qui le précédait. Et cette tradition comprenait non seulement les poètes, mais aussi ceux qu'on appelle les penseurs de la nature, les présocratiques, si l'on veut, je n'aime pas beaucoup le terme. Et Arnaud pourra témoigner du fait que ces penseurs antérieurs à Platon ont joué un rôle fondamental chez Platon. Voilà. Arnaud, vous... Oui. Oui, oui, je vais répondre en... C'est une façon de poser une autre question à Luc Brisson, lui demander de confirmer si je comprends bien ce qu'il dit et ce qu'il a fait dans son entreprise. J'aurais tendance à dire, moi, que Platon, la question de savoir, donc n'est pas de savoir s'il est intemporel, mais de savoir en quel sens le fait qu'il soit situé dans son temps et la manière dont il nous parle. C'est-à-dire que je pense que la façon dont des philosophies du passé nous parlent et parlent à notre temps dépendent aussi de notre perception. Et je pense que à nous aujourd'hui, en 2020, bientôt 21, nous parle le fait que Platon soit situé et qu'il ait posé les questions qu'il pose dans sa situation très précise. Donc ça nous permet de dépasser l'alternative qui ferait qu'on est soit situé, soit intemporel. Il nous parle à travers le temps parce qu'il est situé. Et dans la démarche de Luc Brisson, qui a beaucoup contextualisé, j'ai l'impression, Platon, dans son temps, dans le dialogue avec les savoirs et les pratiques de son temps, en montrant que ça l'empêchait pas de poser des questions fondamentales, et que c'est précisément quand on le saisit dans cette situation qu'on comprend les situations fondamentales qu'il pose. Par exemple, je pense à l'étude de Luc Brisson sur la comparaison entre la vision de la médecine dans le Timée et le traité du régime hippocratique, un article publié il y a quelques années dans les études platoniciennes qu'on retrouve en ligne, où Luc Brisson entreprend de montrer que mathématiser la médecine comme le fait Platon dans le Timée, ça s'était jamais fait dans son temps. Il y a quelque chose d'absolument inédit. Il y a quelque chose de très situé. C'est la médecine hippocratique qui se trouve mathématisée avec les mathématiques de son temps. Donc là, en cela, c'est une situation qu'on pourrait pas reproduire. Mais saisir la singularité de sa situation historique nous permet de comprendre l'originalité de son geste, par là, d'opérer cette liaison entre mathématiques et médecine. Et c'est ça qui nous parle. Est-ce que vous seriez d'accord? Luc Brisson, est-ce que vous seriez d'accord avec cette manière de parler de l'actualité et de l'intemporalité de Platon? On peut peut-être aussi ouvrir vers une deuxième question qui recoupe celle que vous avez ouverte sur ce que nous savons de Platon, de sa vie et de sa façon de faire de la philosophie ou de la politique. Faire de la philosophie ou de la... Ou de la politique. Oui, mais en fait, donc je voudrais répondre à Arnaud pour lui dire qu'effectivement, Platon est très dépendant de tous ceux qui l'ont précédé, notamment d'Hippocrate. Et on le voit très bien dans le Timée, il y a à peu près le tiers du Timée qui va être rapproché des traités hippocratiques, mais il innove complètement, notamment en mathématisant et en systématisant les idées, en systématisant les
les traités, ce qu'on trouve dans les traités hippocratiques. Donc ça, c'est absolument essentiel. Et donc, pour ce qui est de votre question, vous pourriez la reformuler si... Bien sûr, c'est une question qui porte sur la vie de Platon, de telle sorte que vous puissiez en dire quelques mots, ce que l'on en sait et ce qu'il est important d'en savoir pour le lire. Alors, je reprends aussi l'image développée par Arnaud Massé pour le situer dans son époque aussi. Est-ce qu'il y avait une façon de professer la philosophie propre à Platon? Est-ce qu'au contraire, il est en rupture avec d'autres, puisque à l'intérieur de son œuvre, il est question de ses prédécesseurs, que sont par exemple, ou de ses contemporains, que sont les sophistes. Que sait-on de sa vie et de ce qu'il a pratiqué comme enseignement de la philosophie? Oui, donc en ce qui concerne sa vie, il faut s'en reporter, me semble-t-il, à la lettre 7, que je considère comme authentique. Platon vit dans une période très mouvementée, c'est-à-dire une période qui voit la défaite d'Athènes, une guerre civile avec les 30 tyrans et surtout avec la condamnation à mort de Socrate, qui a à voir, me semble-t-il, pas du tout avec des motifs religieux, mais avec des motifs politiques. Dans l'entourage de Socrate, il y avait Alcibiade, qui a organisé cette expédition terrible qui a raté en Sicile, et deux des tyrans, Critias et quelqu'un de la famille de Platon, Charmide. Donc Platon s'attaque à la démocratie de son temps, qui n'a pas grand-chose à voir avec notre démocratie, et propose un nouveau système politique. Et dans ce système, dans cette constitution, Platon veut donner le pouvoir au savoir. Et l'intérêt de Platon, c'est qu'il insiste beaucoup sur l'éducation, une éducation qui est la même pour les garçons et pour les filles. Et en fait, on peut dire que la politique platonicienne, c'est l'instauration d'une nouvelle éducation. Pour les Grecs de l'époque de Platon, l'éducation était formée essentiellement d'un point de vue culturel, la musiquait par les poèmes, la musique et la danse, et pour le corps, la gymnastiquait. Et donc Platon garde la gymnastiquait, mais censure la musiquait et propose une nouvelle éducation. Et donc, c'est ça qui est intéressant, c'est de voir que Platon, en dépit de son rejet de la démocratie de son époque, va tenter d'instaurer une politique fondée sur l'éducation. Question très importante sur laquelle je vous propose de revenir l'un et l'autre, hein, sur la place de l'éducation dans la philosophie de Platon. C'est important pour nous à Cité Philo cette année, puisque nous en avons fait le thème central de notre manifestation, mais c'est important évidemment pour comprendre l'œuvre de Platon et ce qui en fait la force, peut-être aussi la particularité, la postérité. Avant de passer à cette question, ce que je vous propose, c'est que vous parliez, l'un et l'autre, de votre entreprise de traduction de l'œuvre de Platon. Les œuvres avaient été traduites historiquement avant que vous ne commenciez votre travail de traducteur et, j'allais dire, d'interprète et de commentateur. Est-ce que vous pourriez caractériser votre démarche par différence, alors j'allais dire par opposition, ce n'est pas forcément une opposition ou un rejet, mais par volonté de renouveler la lecture de Platon par rapport aux grandes traductions historiques qui vous ont précédé, celle des Belles Lettres ou celle de la Pléiade. Et en quoi cette démarche de traduction permet de renouveler l'accès à Platon
et j'allais dire de permettre un nouveau dialogue avec les œuvres de Platon. Donc, comme j'ai essayé de l'expliquer, avant cette nouvelle entreprise de traduction, les traducteurs de Platon étaient soit des philologues, soit des philosophes. Et donc, les traductions, en fonction justement de cette division qui est en gros spécifique à la France en raison justement de l'agrégation, donnaient des résultats très contrastés. Donc, les philologues s'intéressaient à la beauté du style de Platon, alors que les philosophes tentaient de promouvoir un certain nombre d'idées qui étaient à la mode à l'époque. Donc, j'ai voulu enlever ou ne pas tenir compte de cette distinction entre littéraire et philosophe. Je reste tout de même tout à fait admiratif des traductions qui ont précédé celles que j'ai pu promouvoir. C'était un travail remarquablement bien fait et je remercie les traducteurs du Platon aux belles lettres et Léon Robin et Joseph Moreau pour la Pléiade. Cela dit, ma stratégie pour éliminer cette opposition entre littéraire et philosophe a été de transporter le débat sur un plan plus pratique, c'est-à-dire sur un plan économique et sur un plan politique, sur un plan économique et sur un plan économique, politique et historique. Et donc, j'ai bénéficié de ce point de vue des travaux de Pierre Villain-Naquet, de Jean-Pierre Vernant, et en plus, j'ai beaucoup insisté, comme on peut le voir quand on regarde ma bibliographie, j'ai beaucoup insisté sur la notion de mythe. Et je pense que c'est probablement l'une des caractéristiques de mon travail. J'estime que la philosophie telle qu'elle est pratiquée par Platon, et je l'ai dit, et Arnaud l'a indiqué aussi, la philosophie s'enracine sur un terreau. Et ce terreau, c'est le mythe conçu comme un savoir traditionnel partagé par tous. Et donc, le travail de Platon, je le crois, et j'ai essayé de l'indiquer, n'est qu'une transformation d'un matériau qu'il avait devant lui, c'est-à-dire ce savoir partagé par tous. Et donc, c'est la raison pour laquelle j'ai tellement insisté sur le mythe chez Platon. Et le mythe chez Platon touche essentiellement les questions touchant l'âme, l'âme qui ne peut pas être perçue par les sens et l'âme qui ne peut pas être définie par la raison. Donc, voilà ce que j'ai voulu faire. J'ai voulu dépasser les frontières entre littérature et philosophie. J'ai voulu inscrire Platon dans l'histoire, dans son histoire, mais qui a beaucoup de références avec, qui a beaucoup de rapports avec nous. Et j'ai aussi voulu montrer que chez Platon, mais je pense que c'est la même chose pour toutes les philosophies, on se fonde sur la philosophie n'est pas totalement originale. La philosophie modifie un savoir un savoir des coutumes, des usages partagés par tous. Voilà. Et donc, j'ai voulu aussi tenir compte du changement social. C'est-à-dire que avant, beaucoup d'étudiants, et notamment ceux qui lisaient Platon, connaissaient le grec et connaissaient l'histoire de la Grèce ancienne. Maintenant, ce n'est plus le cas, et c'est la raison pour laquelle il y a tellement de notes dans mes traductions. C'est-à-dire, j'essaie de donner un texte qui se suit et qui est très beau,
et dans les notes d'expliquer les choses qui sont de moins en moins connues actuellement. Merci, et je confirme que ce qui me frappe dans ce que vous dites et dans la lecture de vos traductions, c'est deux choses. C'est à la fois la beauté du texte, donc l'attention portée à la qualité littéraire, à la beauté de la langue de Platon, et aussi l'accessibilité du texte que vous offrez au lecteur. Et c'est le sens de la question que je pose à Arnaud Massé, toujours dans cette idée de mieux comprendre votre démarche traduire, transmettre. Comment enseigner Platon aujourd'hui dans une société de plus en plus divisée, de plus en plus cloisonnée? La forme du dialogue platonicien, est-ce qu'elle ne nous montre pas un idéal pédagogique et, j'allais dire, politique? Le micro était... C'est bon, là, vous m'entendez? Oui, c'est bon. Pardon. Pour répondre à votre question, en repartant de ce que Luc Brisson vient de dire, la présence donc des notes, des préfaces, c'est ça que... Voilà, moi, j'ai pas participé à cette entreprise de traduction, j'en parle comme utilisateur. Et ce qui fait l'intérêt de cette traduction, surtout si vous la lisez dans les volumes individuels... de poche, elle est très bien là, l'édition qui rassemble tout, mais il vous manque à ce moment-là l'appareil de notes conséquent et l'ensemble des préfaces qui resituaient chaque dialogue, alors à la fois dans le contexte de l'ensemble des études contemporaines. Ça, c'est important quand on fait cours, de pouvoir donner aux étudiants une situation des questions soulevées par le dialogue dans la recherche contemporaine, sur lesquelles les préfaces insistent. Et puis, en effet, toute cette contextualisation dont on a besoin pour comprendre ce que fait Platon. Or, pour revenir au cœur de votre question, ce que fait Platon dans une forme de dialogue qui n'est pas dogmatique, c'est-à-dire que ça n'empêche pas qu'il y ait une philosophie platonicienne, certainement avec une grande architecture, mais que les livres que Platon nous donne à lire, à travers toutes les médiations là dans ces éditions qui les rendent maintenant disponibles aux lecteurs d'aujourd'hui, c'est un livre dans lequel on est mis en contact avec une multiplicité de discours. On n'a pas un personnage qui nous dit, comme si vous lisez un livre de Kant ou de Hegel, « Voilà, je m'appelle Kant, je pense ceci ». Et c'est comme ça que se démontrent mes thèses. Vous avez alors des personnages qui discutent, un théâtre, toujours recommencé à chaque dialogue. Donc, l'accessibilité, elle est dans le texte elle-même, puisque dans le texte lui-même, puisque ouvrir un dialogue de Platon ne suppose pas d'avoir lu les épisodes précédents. On va tout redéfinir, puisque nous avons affaire à de nouveaux interlocuteurs, une nouvelle rencontre. Certes, il y a des récurrences, il y a des personnages qui reviennent, et ça nous aide à trouver le fil. Mais l'essentiel, et c'est ça, transmettre le rapport au texte platonicien, c'est transmettre une expérience, celle de devoir commencer à nouveau la réflexion en lisant le dialogue, et la forme du dialogue nous impose cela, et de trouver le fil, avec des gens qui vont peut-être sembler contredire ce qu'on a dit dans un autre dialogue. Il faut chercher le fil, et peut-être, comme vous parliez de notre société, oui, elle est cloisonnée, elle est complexe, elle souffre aussi d'un mal qui est peut-être le goût du péremptoire, du définitif, des opinions définitives qu'on se jette les uns aux autres. Et Platon, alors il y a peut-être la ruse, on en parlera peut-être après avec l'ironie, mais la ruse de ne sembler tenir aucun point de vue, de donner accès à un théâtre où de nombreux points de vue s'échangent, dont un grand nombre sont erronés, comme toutes nos opinions. Et donc de faire un pas en dehors de l'opinion pour commencer à chercher un autre fil qui, dans la patiente construction d'un espace où les savoirs et les pratiques peuvent trouver leur place et commencer à dialoguer, nous emmener vers autre chose.
Merci. En vous écoutant, mais c'est une question adjacente, je me demandais si, par exemple, les étudiants anglo-saxons, ceux qui sont à Oxford ou à Cambridge, c'est une image pour l'étudiante française que j'ai été, approchent Platon de manière très différente de nous. Je pense au cloisonnement entre les disciplines et ce que Luc Brisson appelait, je dirais un peu le carcan, enfin il n'a pas prononcé le mot, mais la spécificité ou le carcan de l'agrégation selon qu'on choisit les lettres classiques ou la philosophie. Mais peut-être qu'on peut retrouver cette question sur transdisciplinarité qu'a incarné Jean-Pierre Vernant, par exemple, ou à sa façon Clémence Ramenoux, même si ce n'est pas visible de la même manière, et spécialisation. Mais je situerais cette question par rapport à une question plus vaste que Luc a ouverte tout à l'heure, c'est la place de l'éducation dans le système platonicien. Cette question d'éducation... avec, et vous venez de le dire Arnaud aussi, si je ne me trompe pas, l'idée que l'éducation platonicienne ou telle que Platon veut nous la proposer s'opposerait à celle des sophistes qui sont des éducateurs qui viennent avec un savoir tout fait et qui le démontrent et qui le proposent, alors que effectivement au travers de cette permanence de l'interrogation du doute et de la volonté d'en sortir de Platon, l'éducation serait fondée sur la conviction que l'interlocuteur possède en lui-même un savoir, sauf qu'il ne le sait pas, et que le but de l'éducation serait de faire advenir cette conscience. Alors, est-ce que vous pouvez définir, mieux que je ne l'ai fait dans cette question, la place de l'éducation dans le système philosophique de Platon et la postérité de cette vision fondamentale. Alors peut-être, Luc, sur l'histoire de l'éducation dans le platonisme, et on reviendra sur l'ironie ensuite avec vous, Arnaud. Oui, vous avez très bien présenté la question, et Arnaud donc l'avait... on avait donné un préambule. Je pense que Platon propose un nouveau système d'éducation, pas un nouveau système, une nouvelle façon d'éduquer. Et il l'a fait contre les sophistes. Que font les sophistes? Les sophistes enseignent une technique, la technique du langage. Et cette technique du langage permet d'avoir, d'avoir du succès à l'Assemblée, puisque c'est une démocratie directe et que les lois sont votées tout de suite après une série de discours allant dans le même sens ou dans un sens opposé, et au tribunal. Et donc, on le voit très bien dans l'Apologie de Socrate. Socrate dit « Je me refuse à utiliser la rhétorique parce que je veux dire la vérité ». Donc, l'idée fondamentale de Platon, c'est de s'attaquer aux sophistes qui transmettent, et c'est très important pour les sophistes, c'est la transmission d'un savoir constitué de règles permettant d'utiliser le discours pour avoir du succès. Et donc, cette transmission est comparable à n'importe quel autre commerce dans la mesure où on doit payer pour qu'on vous transmette ces règles concernant le discours qui apporte le succès au tribunal et à l'Assemblée. Platon s'oppose à cette façon de voir les choses, et pour Platon, et là, je n'ai pas le temps de l'expliquer. Pour Platon, l'âme d'un individu a vu la vérité et la réalité véritable dans un passé plus ou moins
lointain. Et donc, c'est l'éducateur qui doit faire se souvenir de ce que son âme a vu par celui avec lequel il dialogue. Donc, dans un cas, on a une transmission de règles, alors que dans l'autre, on a cette idée que le maître doit amener le disciple à découvrir en lui-même ce qu'il a déjà contemplé. Et donc, c'est la différence fondamentale au niveau de l'éducation se situe à ce niveau. Donc, d'un côté, la transmission pour laquelle on paye, et souvent très très cher pour les sophistes, parce que vraiment ça donnait du pouvoir en politique. Et d'un autre côté, l'accouchement. Et c'est pour ça que Socrate se présente comme une accoucheuse. Et c'est la différence fondamentale. La question étant de savoir si dans tous les domaines, on peut utiliser ce modèle de transmission. Mais l'idée fondamentale est vraiment la suivante. Donc, d'un côté, on vend le savoir comme on vend des carottes sur le marché, ou d'un autre côté, on utilise le dialogue pour que la vérité advienne chez l'interlocuteur. Et donc, Arnaud l'a dit tout à l'heure, c'est ça qui est intéressant chez Platon, c'est que on se trouve chaque fois devant un dialogue avec des interlocuteurs différents et des points de vue dont la plupart sont mis de côté. Vous voulez dire que d'un côté, avec les sophistes, on a une transmission qui a pour but d'augmenter le pouvoir de celui qui détient le savoir, et avec Platon, on aurait un exercice d'augmenter les pouvoirs économiques et politiques, essentiellement, oui. Alors que pour Platon, il s'agirait d'un exercice, peut-être pas spirituel, mais d'un exercice de reconnaissance ou de réminiscence d'un savoir contemplé par l'âme. Alors après, mais je ne veux pas prendre le temps sur la réponse d'Arnaud Massé, mais c'est aussi le débat sur entre l'universel et le relatif, entre une vérité qu'il faudrait faire s'accomplir et de multiples vérités chatoyantes qui bougent sans cesse dans le monde du relativisme. Et débat pour notre temps. Ouais. Est-ce que c'est ça, Arnaud Massé, l'ironie de Platon, ou est-ce qu'elle se situe tout à fait ailleurs ? Elle est là, mais alors pourquoi l'ironie ? Pourquoi est-ce qu'on a besoin de l'ironie ? Et pourquoi est-ce qu'on a besoin de mettre en scène un personnage alors comme celui de Socrate, auquel on attribue cette ironie, et donc qui serait le associé toujours à l'aveu d'ignorance ? Donc on parle d'ironie, les spécialistes s'interrogent beaucoup sur le statut précis de cette ironie, mais en tout cas, ce qu'on essaie d'évaluer, c'est est-ce que Socrate sincèrement ne sait pas ce qu'il dit ne pas savoir ? Est-ce qu'il s'agit juste d'une façon diplomatique d'approcher chaque interlocuteur pour le mettre en confiance et le laisser déployer tout ce qu'il a à dire et mettre à l'épreuve l'ensemble des choses qu'il dit ? Donc là, il y a diverses options chez les différents interprètes. À mon avis, alors, on a besoin d'ironie dans un temps, mais qui, de ce point de vue, peut ressembler au nôtre, où l'opinion se caractérise, je le disais, par son aspect péremptoire, sa certitude, cette façon dont l'opinion imite mal le savoir. C'est-à-dire, aujourd'hui, encore, vous voyez qu'on croit imiter la science ou le médecin, par exemple, en l'imitant par la certitude.
Et c'est là où l'opinion se trompe et ne voit pas qu'un savoir est toujours quelque chose qui, et c'est ce que nous dit bien Socrate dans Lyon, par exemple, est toujours lié à un objet très précis, très limité. Et ça, celui qui sait, le sait. Il sait où s'arrêtent les bornes de son savoir, de sa techné, de son épistémé. Et que dès qu'on veut relier deux points, et l'opinion nous pose souvent des questions trop générales, on veut relier deux points et il y a beaucoup d'incertitudes pour réussir à relier ces deux points, parce qu'un savoir est toujours situé. Bien. Et donc, une fois qu'on a ça, on va se trouver en permanence face à des gens qui, depuis leur opinion, disent des choses très larges, très générales, très péremptoires. Donc, l'ironie, c'est une façon de s'armer pour rentrer dans un monde plein de gens qui sont spécialistes de tout et dont le savoir n'est que l'ignorance de l'ignorance. La décision d'ignorer qu'on ignore et de recouvrir ça par la certitude. Donc l'ironie, c'est l'arme pour désamorcer tout ça et pour commencer à parler avec des gens qui sont enfermés dans la grandiloquence de leur opinion en disant « mais oui, bien sûr, c'est magnifique ce que tu dis, parlons-en ». Et là, vous savez, voilà, vous êtes dans une situation de dialogue socratique. Donc l'ironie, elle sert à nous permettre de parler dans un monde saturé de certitude, pour qu'on puisse commencer à les bousculer et aller en chemin vers... Alors, c'est pour ça, on pourrait dire, mais là, c'est une vision très relativiste et sceptique du dialogue que vous êtes en train de dire, et Luc Brisson, il vient de parler de la vérité qui apparaît à l'âme. Bon, mais c'est un chemin, c'est-à-dire que, justement, il a insisté sur le mythe. Cette idée que c'est souvent par le mythe que Platon exprime ses idées sur la vérité. Ce sont des choses qui nous mettent en confiance pour nous dire que quelque part, si nous travaillons à dépasser nos opinions, nous arriverons peut-être à l'endroit où, comme le mythe nous le dit, nous découvrirons que notre âme, notre pouvoir de connaître, a une affinité avec la réalité. Nous pouvons la connaître, parce que nous en faisons partie de cette réalité. Donc la science et la vérité sont possibles, et probablement on en a besoin, pour découvrir qu'il y a un monde commun et l'aménager, et le vivre et créer des cités dans lesquelles nous puissions préserver ça. Mais ça, c'est le bout du chemin et ça s'exprime dans les dialogues par des mythes qui nous donnent le courage de nous mettre en avant, d'aller de l'avant. Mais ça n'épargne pas la traversée pénible, minutieuse de tous les discours qui font obstacle. Merci, parce que tout ce que vous dites l'un et l'autre est absolument passionnant. Pourquoi ? Parce que ça montre que la lecture de Platon n'est pas la lecture d'un philosophe intimidant qui assène un monde des idées auquel il faudrait qu'il faudrait contempler comme un monde absolu. C'est dommage, on n'a pas assez de temps pour développer tous ces éléments. C'est pourquoi je vous propose, et ce sera le dernier temps de votre dialogue, de parler aussi de votre propre parcours de transmission. Pourquoi ? Parce que vous, Luc Brisson, vous avez été l'étudiant de Pierre Vidal-Naquet, vous avez côtoyé Jean-Pierre Vernant, vous avez été l'étudiant de Clémence Ramnoux, je l'ai dit dans l'introduction, et vous, Arnaud Massé, vous avez été l'étudiant de Luc Brisson. Et ça pourrait être anecdotique, à mon avis, ça ne l'est pas. Derrière chaque chemin, il y a des choix qu'on fait, des chemins qu'on décide de prendre. D'abord, prendre le chemin vers Platon, c'est un premier choix. Ma question, elle est générale, mais elle est aussi spécifique. Qu'est-ce qui se joue dans de telles transmissions entre, j'allais dire, maître et étudiant? Qu'est-ce qui se joue dans de telles rencontres, Luc? Brisson, vous vouliez parler de Clémence Ramnoux, peut-être? Oui. Voilà. Donc, Clémence Ramnoux, en fait, c'est Paul Ricoeur qui enseignait l'Université de Montréal à l'époque. Ah, d'accord. Il enseignait à Toronto, mais toutes les deux semaines, il venait passer quelques jours à l'Université de Montréal et je l'ai eu comme professeur. Ça m'a beaucoup impressionné, c'est la première fois que je lisais Aristote et Kant dans une perspective
très différente. Donc, Padre Ika m'avait orienté vers Clémence Ramnou, et Clémence Ramnou donc n'avait pas beaucoup d'étudiants ni d'étudiantes, mais ce qui lui permettait de s'occuper beaucoup de ses étudiantes et de ses étudiants. Et chaque fois que j'écrivais un chapitre de ma thèse, je lui soumettais, et très rapidement, elle me demandait de venir pour en discuter. Donc, Clémence Ramnou m'a fait connaître essentiellement les présocratiques, mais aussi et surtout, Clémence Ramnou m'a fait connaître la mythologie. Et il m'a fait connaître le mythe et... on peut être d'accord ou pas d'accord, mais du moins ses origines indo-européennes. Et ça, c'est très important chez Platon en ce qui concerne la tripartition de la société. En d'autres termes, le mythe, c'était le mythe grec traditionnel, la nuit, les enfants de la nuit, par exemple, mais c'était aussi des mythes qui venaient de l'Orient et de l'Inde. J'ai travaillé avec Marcel Detienne à l'École pratique des hautes études. Marcel Detienne avait une vue très différente. Lui, il était fasciné par Lévi-Strauss, mais il m'a fait connaître l'analyse structurale des mythes. Donc, je pense qu'on perd beaucoup de choses quand on en reste à l'analyse structurale, mais l'analyse structurale permet de faire des rapports entre des mythes et des éléments mythiques qui permettent de voir plein de choses, qui permettent d'établir beaucoup de rapports qu'on n'établirait pas autrement. Et dans le même ordre d'idées, j'ai travaillé avec Jean Pépin, qui lui a écrit ce livre « Mythes et allégories ». Et Jean Pépin, c'était plutôt donc le mythe dans la postérité, notamment dans la postérité romaine et chrétienne. Et donc avec Jean-Pierre Vernant et Pierre Vidal-Naquet, j'ai, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, compris une autre perspective du monde de la philosophie, notamment celle qui touche à la politique et à l'économie. Mais eux aussi, aussi bien Pierre Vidal-Naquet que Jean-Pierre Vernant, ont montré tous les rapports qu'il y avait entre les dialogues de Platon et les tragédies. Et ça, c'est vraiment fondamental. Et donc, je leur dois pratiquement tout, donc à Madame Ramnou et Pierre Vidal-Naquet, Jean-Pierre Vernant et Marcel Detienne. Merci, et je comprends bien tout ce que vous dites pour avoir fait mes études dans les années 70 et notamment à la 6e section mais de l'école pratique. Arnaud Massé, comment choisit-on un sujet de thèse, un directeur de thèse, et comment se fait, je dirais, à la fois la transmission et cette appropriation personnelle, critique, qui fait la dynamique d'un travail de recherche? Alors, pour moi, le choix, je ne l'ai pas fait tout seul. Il y a un médiateur qui m'a amené vers Luc Brisson, qui a été lui-même une sorte de Socrate pour une génération. Donc, moi, j'étais à l'École normale supérieure de Fontenay-Saint-Cloud, et où enseignait Bernard Besnier, qui était à certains titres un Socrate avec son manteau élimé. Enfin, lui, c'était plutôt un pull rouge élimé. et lui qui pratiquait, c'était très étonnant, il pratiquait une lecture des textes, donc les textes anciens et puis beaucoup de textes de phénoménologie. Il était aussi érudit des deux côtés. Et c'était un type de commentaire qui était à la fois, de manière étonnante, très érudit en termes de philologie et d'histoire des sciences. Il pouvait passer 6 mois sur quelques lignes, et en même temps, il arrivait à être systématique, à faire de reconstruire le système à partir des méandres très techniques du texte.
Et c'est avec lui que c'était mûri. Donc moi, mon sujet de thèse, alors c'était pas exactement le savoir public, c'était l'agir et le pâtir chez Platon. Une théorie. Donc l'agir et le pâtir, ce sont des catégories aristotéliciennes sur lesquelles Bernard Bastier travaillait beaucoup. Et il pensait que c'était intéressant d'ouvrir une enquête sur une sorte d'archéologie des catégories aristotéliciennes chez Platon et qu'il allait le faire en dialogue avec Hippocrate. C'était beaucoup trop gros pour une thèse, mais en tout cas, il m'a dit ça, il faudrait en parler avec Luc Brisson. Donc du coup, c'est pour ça que je suis allé voir Luc Brisson. Je l'ai vu pour la première fois, c'était dans le jardin de l'école de l'ENS de la rue d'Ulm. Et ce que je me souviens de, on s'est vu dehors, et je me souviens de cette rencontre, c'est qu'il a dit que si je faisais une thèse avec lui, la première des choses, c'est que j'étais pas obligé d'être d'accord avec lui. Donc c'était cette invitation à la liberté, voilà, qui était le premier contrat de confiance. Et alors lui, il était pas du tout pareil que Bernard Bastier. De ce point de vue, pour moi, il était beaucoup plus un sorte de platonicien, malgré tout ce qu'il vient de dire sur ses influences très très modernes à l'époque. Je l'ai perçu moi comme un platonicien assez classique, quelqu'un qui pas un gardien du temple, mais quelqu'un qui a travaillé à reconstruire l'édifice platonicien. Il l'a fait d'autant plus que sa manière à lui de construire l'édifice platonicien, c'est de confronter la lecture de cette structure interne du platonisme à ses variations dans toute la tradition platonicienne. Il y a quelque chose de cathédrale et même de cathédrale, de cathédrale, de cathédrale, de cathédrale. Alors, c'est là où il est moderne, probablement, et pas seulement un platonicien orthodoxe à l'ancienne. Donc voilà, c'est ça qui était passionnant. Et ce qui est intéressant dans construire soi-même son propre chemin dans la confrontation à des gens qui sont déjà faits et qui vous donnent accès à une forêt, puisque comme il l'a dit, avec ses multiples influences, un directeur de thèse, et puis on continue ensuite au-delà de la thèse, à se construire dans le dialogue avec eux, c'est quelqu'un qui est lui-même une multiplicité d'influences. Ben, merci, parce que je crois que c'est une belle définition de la rencontre. Et je vous remercie très chaleureusement l'un et l'autre, parce que je suis convaincue que vous allez donner envie à tous ceux qui n'ont peut-être pas relu Platon depuis longtemps de s'y replonger dans cette nouvelle édition. Et à tous ceux, j'espère qu'ils passeront par le chemin de l'audition de votre dialogue, tous ceux qui n'osaient pas s'y hasarder de se lancer, comme vous l'avez dit tout à l'heure, en se mettant en chemin, voilà, en allant de l'avant. Merci à tous les deux et à très bientôt. Merci à vous. Merci.